Originaire de l'Angola, bien sûr. Né dans la Brousse, à Kipiri, 60 km de Luanda Nord. Ok, donc monsieur, on est rentré juste dans le planète Angola. Ah. On peut continuer? Oui! Et depuis longtemps, on a constaté que finalement, avoir suivre le lieu des chenaux sont quand même des références de poids parce qu'ils sont eux qui nous ont appris presque tout. La philosophie de vie, la résistance, la musique. C'est quelque chose qui a fait de moi, justement, l'artiste d'aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de disques enregistrés, toujours adressé aux Angolais. En 1972, j'ai enregistré quand même le disque du même nom, et c'était un bon, voilà, c'est parti. En faisant le même disque, je me suis rendu compte quand même que les Angolais ont réagi, et pas seulement. Et ça a quand même fait appel aux jeunes qui se sont mobilisés davantage, mais pas pour être des chéracanaux. C'était mobiliser conscience de la réalité de chez nous et davantage se mobiliser pour la cause. Et après, il y a eu 74, et après il y a eu Racine, et après et les autres disques, étant donné que nous sommes quand même, nous avons dégénéré au niveau politique. Alors, il fallait que je chante à mes compatriotes pour leur dire, écoutez, je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'important, ce n'est pas les grands buildings, c'est-à-dire les grands hôtels, hein, les grandes banques, tu vois. Pour moi, c'est les crèches, n'est-ce pas? C'est la formation des enfants, c'est assister aux enfants, c'est la santé, par exemple. C'est chez nous, on appelle très souvent les ménages de rue, les enfants de rue qui sont là, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à manger, etc. Et le message, c'est pas seulement pour les Angolais, c'est pour nous tous. Alors, merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Le bon gars est là pour vous en chantant.